Bon, ça il fallait que je la fasse. J'ai testé ça à la fin du premier épisode, du tout premier épisode de cette série sur Rover Mechanic Simulator, et je trouvais ça trop fun. Alors, on était parti sur un nouvel engin plus grand, et il y aurait un moteur, mais c'est pas le moteur de l'engin, c'est un moteur d'une de leurs roues, plutôt à l'arrière, ils se souviennent plus lequel, comme par hasard, à réparer. Pas donc imprimer, mais réparer. Regardez ceci. Ici, j'ai trouvé mon inventaire, j'ai un medikit, et on peut s'améliorer. Alors, j'ai pas encore de points, mais vous voyez... non, j'ai pas de points. Pas assez de points, mais vous voyez qu'il y a de l'amélioration aussi dans ce petit jeu. Alors, on va passer en mode analyse, et pour ce deuxième épisode, on va réparer cet engin. Autant dire qu'on n'est pas dans la merde. Je vais quand même vite relire le bazar de la commande, là, juste l'avant. Le moteur arrière d'un actuateur. Un actuateur, c'est quoi? On sait rien du tout, les gars. On peut pas le tester, l'engin? Rouler avec? Roue. Ça, c'est une roue. Bogie. Cachement de roulement. Parce que, les gars, si je dois... quand même savoir, hein. C'est chaud, les gars. On peut voir aussi, ici, ça ressemble à ça. Moteur RE25. Bon, je sais pas ce que c'est qu'un actuateur. Bon, tant pis, on va analyser. On va analyser. Il n'y a rien qui ressemble à ça là-dedans. Pardon. C'est peut-être là-dedans. Mais il y a du jaune là. Déjà. Si j'analyse celle d'à côté, elle est jaune aussi. Ouais, c'est parce que c'est un peu usé, forcément. Ce serait pas là-dedans. Cache roulement, non c'est pas ça. Ça s'analyse pas apparemment. Je ne dois analyser que les trucs techniques. Ah ouais, tout ça, ça s'analyse pas. Bon bah du coup ça va être un peu moins. J'espère que plus tard on pourra faire mieux avec ces trucs là quand même. Mais autant en bécane et en bagnole, je peux me débrouiller un petit peu pour savoir qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qui va où au niveau de la forme. Autant sur un engin de l'espace, je vous cache pas que... On a aucune putain d'idée. On va carrément analyser les trucs au-dessus, parce que si ça se trouve, c'est là-dedans. Bloc de maintien, j'analyse tout, on s'en fout. Ici dedans, il n'y a pas des trucs que je peux analyser. Ah, si, ça quand même. Un ASCAM. REM. Losing my religion. Ouais, c'est un groupe REM. Les mecs. Panneau solaire, ouais, je m'en fous. Cache roulement bogie, ça ressemble à ça, hein, mais c'est pas ça. Attendez, parce que là on a un petit... putain, c'est chaud son truc, moi je sais pas où c'est. Hein. On est bien d'accord que c'est l'avance, hein, on est d'accord. Ouais, ça m'a pas l'air d'être là non plus. Le problème c'est qu'on a tout du jaune, mais j'imagine que ça doit être du orange. À mon avis, ça doit être à l'intérieur d'une des roues. Je le sens bien. Donc je vais passer en mode démonting et on va démonter. Au moins pour essayer de trouver le nom de ce truc là. Ça doit être jouable. Oh putain, il y en a des vis. Bien sûr, dans les améliorations de notre mécanicien, en gagnant de l'XPET, il y a bien un moment donné où on va pouvoir... Ah, c'est pas ça? Ça c'est un roulement de roue. Vire-le. On va analyser une roue, hein. Pas le choix, les gars. Il n'y a que comme ça que je peux apprendre la structure d'un engin comme celui-là. Ça doit être l'intérieur de ce truc. Le voilà. Il est là, c'est bien ce qui me semblait. Il est à 61% celui-là. Analysons notre tablette, combien de pourcents on veut. Pièce démontée, on s'en balèque. Du 50%, donc c'est pas celui-ci. C'est peut-être l'autre. Il a dit à l'arrière, donc je vais me fier. C'est chiant cette table, je devrais pouvoir m'en approcher plus. Je devrais pouvoir me fier à son instinct, j'espère. Sinon, c'est vraiment ballot. Bon, du coup, pour cet épisode 2, on démarre sur un plus grand engin, certes.
Ben, c'est pas non plus comme si on allait démonter tout un moteur électronique et tout bazar. Mais bon, on va pas se plaindre. Puis on va peut-être voir de la réparation. Ouais, c'est ça. C'est ce truc-là. Ouais. Analysine. C'est lui. Démontage. Voilà. La pièce que vous venez de retirer est trop complexe. L'imprimer n'est pas une bonne idée car cela coûte cher et prend beaucoup de temps. Mm-hmm. Alors ce type de pièce, appelé module, vous pouvez l'utiliser l'établi pour le démonter entièrement. Oh, excellent. Grâce à cela, vous pouvez vérifier quelle partie doit être remplacée sans devoir imprimer l'ensemble du module. Ça, c'est pas mal, ça. Mm-hmm. Pour travailler avec les modules, nous utilisons un établi spécial. Ouais, ça j'avais compris. Allez, on va tester ça. Mais avant ça, comme je suis quelqu'un de propre, je vais déjà remonter vite fait ces trous. Et ouais, les gars. Là, vous êtes tout excité. Ah, le roulement, il est mort, hein, de l'autre côté. On va le remplacer aussi. Vous êtes tout excité parce que vous vous dites « Allez, White, va sur l'établi pour démonter la pièce !» Parce qu'effectivement, c'est ce qui change des autres jeux de mécanique simulator. C'est que celui-ci, apparemment, on doit aussi aller réparer des pièces. C'est pas mal, ça. Allez, accélération. Et voilà. Il est un peu lent, le petit dézoom, là. Alors, on va pouvoir utiliser l'établi. Ça va nous changer la vie. Nettoyage, non. Tout d'abord, on doit choisir la réparation. Ouais, ça, je suis pas con, non plus. Une chaîne est aussi résistante que son maillon le plus faible. Mm-hmm. Bon, je réfléchis à deux fois avant de zapper trop vite parce que... Ah, la caméra fonctionne différemment. On va voir ça, on va voir ça. Réparation. Ah ouais, effectivement. Allez hop. Mais dites-moi, c'est sympathique ça. I like it. On peut aussi analyser. Ça c'est propre. Ah, regardez là. C'est cassé ces petits bras. Le reste est vert. Ah, là, c'est jaune. On démonte d'abord ça. C'est chelou que c'est avec le clic droit, mais c'est pas grave, je vais m'y faire. Je vous dis même pas pour essayer de retenir quelle pièce de réparer, après. Ouais, moi, je démonte tout, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je dis pas de conneries, c'est naze, non? Ah non, ça, c'est vert. Fuck. Remonte. Ça reste bon, ça. Enfin, je crois. Fais voir. C'est jaune. Jaune, ça passe, non? Ça passe, jaune. Si je check mon inventaire, il est où, déjà? F. Bon, le roulement de roue, il est mort. Ok. Je vais commander tout ça. Et quand c'est presque... fini d'être construit par l'imprimante, je vous reprends, à tout de suite. Je commande deux charbons rotor RE25. Ouais, je vous montre quand même un petit peu, sinon vous allez vous dire on voit rien de ce qu'il fait. Et une plaque de rotor RE25. Donc c'est peut-être un peu des allers-retours, il y a peut-être une façon plus facile de le faire. Mais bon, moi j'ai pas trouvé, donc pour l'instant on quitte la machine. Comme vous pouvez le voir, on a une pièce là qui arrive, elle est à 90%, on va déjà l'accueillir. Mais avant de la prendre, je vais aller broyer le reste. La voici, regardez la rive. Hop, on la voit tomber par là, c'est joli, hein, vous avez vu? Fallait quand même que je vous montre ça. Hein. Alors le broyeur, on broie ça, ça, ça et ça. Attention les oreilles! Ça par contre c'est efficace et c'est propre. Oh, on en est où? Je mets une petite pause jusqu'à ce que la dernière pièce sorte de cette machine. Attention, nouvelle pièce. La voilà. Yup, yup. Repose. Ça arrive. La voilà. Excellent. On va réparer tout ça. Enfin, on va remonter tout ça. Tac. Montage. Donc, si sans avoir besoin d'aide,
outre mesure, j'arrive à faire cette petite étape, c'est que je suis décidément pas si nul, hein. Mais c'est sympa, ce petit atelier là, où on vient nettoyer même des pièces, ça peut être cool. Là, il m'indique que c'est monté. Je pense qu'effectivement, dans mon inventaire, il ne doit plus rien rester. Il est là en entier, plus la roue et le roulement. J'ai changé le roulement parce qu'il était mort. Ouais, je suis un maniaque, hein. Allez, hop. On remet ça. On remet le nouveau roulement tout neuf. On le visse, bien sûr. Dis donc, mais ce sera un petit épisode, ça. Bien sûr, à la fin de cet épisode, on va voir ce qui nous attend dans le prochain épisode. Bon, parlons pas trop vite, hein. Si ça se trouve, j'ai pas encore réussi. Il y a peut-être encore des choses que j'ai foirées. Puis il y a cette espèce de mini-jeu, là aussi. Alors, ce qui va me redire de nouveau, comme si j'étais un débutant, ce que je dois faire, non, hein. Je connecte et je viens pitouiller. On doit avoir une tension de 4. Alors, ici on a un virage. Ces parties-là, à un moment donné, si elles deviennent trop reloues parce qu'il y en a plein et que c'est toujours la même chose, il va de soi que je vous les apprends. Shit. Mais là, pendant que vous m'entendez vous parler tranquillement, ça passe vite, hein. Regardez, j'ai déjà fini, il n'y a plus qu'à ce que je gère la tension. Donc, on doit avoir 4 de tension. C'est du plus 1, et là je mets un plus 2. Ah non, je suis obligé de tous les remplir, merde. Non, non, change, mets un moins 2, et mets un plus 2 là. Ah non, finalement j'ai changé d'avis. Mets un moins 1, voilà. Ça a moins gueulé que l'autre fois. On prend la tabletouille. Et on termine la commande. Je valide. Et là, on a été promu. C'est suffisamment expérimenté pour être promu. Chaque fois que vous êtes promu, vous gagnez des points de compétence. Pour les améliorations. Chers amis, voyons les améliorations. J'ai un point de compétence. Alors, ça commence par où? Par en haut. Ici, des montages rapides. Réduction du temps, montage rapide. Caméra CDD. Supprime les interférences. Oh, ça c'est quand il y a l'interférence sur la caméra en haut, mais je m'en fous. Prix des composants moins cher. Ouais. 30% de réduction du temps nécessaire. Coup de pouce pour les pièces pré-analysées. Et nettoyer deux fois plus vite. On aura un peu plus de temps pour démonter. Mais on remontera un peu plus rapidement. Je valide. Mission. Opportunity. Récemment, nous avons reçu des images déformées du rover Opportunity. On a bien peur qu'il y ait des problèmes avec le pancams du mat. On accepte cette mission. Et on va chercher l'engin. Et c'est là-dessus qu'on se terminera, qu'on se quittera pour ce deuxième épisode. Il était un peu plus court. Oh, un bel engin, apparemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller voir les autres séries telles que My Summer Car avec Jack, nos découvertes de jeux, ou encore la série sur Car Mechanic Simulator 2018 ou Biker Garage. Il y a de quoi faire sur BBTV. Et voilà. Cliquez sur la petite cloche aussi. Quitte. Merci. Donc pas de surprise, hein, c'est le même engin, vous vous dites ouais c'est relou, c'est le même, mais on va devoir à mon avis analyser d'autres choses. Donc ça, ce sera dans l'épisode 3, j'espère que ça vous plaît, et en attendant je vous dis salut salut, bye bye.